bring in the top two antennas only, and bingo, the band's wide open and everybody's 20 over 9. Switch to the bottom two, not hear anything, only noise. Go to all four and hear very little. Oh, bonjour. Ne vous en faites pas, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas par rapport à la réalité virtuelle. Mais peut-être qu'un jour, ça sera possible d'opérer une station radioamateur à distance à l'aide de la réalité virtuelle. Mais pour l'instant, on va procéder avec l'évaluation de l'équipement que j'ai pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire la revue du Colibri Nano, un petit radio SDR HF permettant également d'être contrôlé à distance. Cette unité est vraiment extraordinaire. J'apprécie beaucoup ce petit receiver, il est très compact, le boîtier est tout en métal, fonctionne très bien, très stable, et vous allez voir, c'est vraiment spécial. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est la possibilité de l'utiliser sur un serveur, sur un Raspberry Pi, et d'en faire une unité complètement utilisable remote, avec n'importe quelle plateforme, un iPhone, un Android, un PC, peu importe, via un serveur web HTML5. Et ça fonctionne tempête. Mais c'est pas tout. À la fin du vidéo, je vais vous montrer comment y accéder et l'utiliser. Donc, soyez à l'écoute et on se voit à la fin du vidéo pour la conclusion. Pour plus d'informations à propos du Colibri Nano, visitez nsiradio.com, votre distributeur américain, et également le site du manufacturier à eesdr.com. Si vous vous rendez sur le site du manufacturier, vous allez trouver l'ensemble des informations concernant le Colibri Nano dans la section Receiver. Important de sélectionner le bon, qui est le Colibri Nano. Et vous avez l'ensemble des informations, si vous voulez le manuel, etc. Vous pouvez le télécharger, ça vous donne les minimums requis pour pouvoir opérer le Colibri Nano. Vous avez également l'information concernant le serveur du Colibri Nano avec un Raspberry Pi 3, tel que j'ai monté ici dans la station. Vous pouvez également, dans la section software ou logiciel, si vous préférez, télécharger le logiciel Expert SDR 2. Assurez-vous de sélectionner la bonne version, donc celle pour le Colibri Nano. Vous avez également le serveur remote pour l'image Raspberry Pi. Vous avez également le manuel pour l'opération remote à distance, ainsi que le logiciel pour le remote. Vous avez ici trois logiciels ou trois façons d'utiliser le Colibri Nano. La première façon que je vais vous montrer, c'est avec le receveur connecté directement localement sur le PC, avec en utilisant le logiciel Expert SDR 2, tel que démontré présentement. Pour choisir une fréquence, vous n'avez qu'à cliquer sur cette fréquence dans l'écran et vous sélectionnez avec la souris la fréquence exacte. Vous avez plusieurs fonctions, donc le mixeur, l'égalisateur. L'égalisateur vous permet d'équilibrer l'audio en réception selon votre préférence. Vous pouvez le désactiver et l'activer ici en haut dans le menu. Vous pouvez également activer, désactiver le receveur secondaire, le receveur B. Vous avez le contrôle du volume avec ce qu'on appelle le mixer. Lorsque vous sélectionnez une fréquence, toujours ajustée avec la souris, hein, c'est plus facile, à moins que vous arriviez juste dessus. Vous pouvez agrandir la largeur de bande, telle que démontré, jusqu'à 10 kHz. Et vous pouvez utiliser également des filtres présélectionnés pour vous. Directement ici, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Si vous ajoutez un récepteur secondaire, donc le VFOB, vous allez voir ici, là, vous voyez, vous pouvez ajuster les volumes d'un à l'autre.
vous m'entendez maintenant le VFO secondaire. Si vous activez, par exemple, j'allais sélectionner le 40 mètres et que la présentation du waterfall et du spectrum ne sont pas assez larges pour le prendre, naturellement, vous ne verrez pas le deuxième VFO. Dans le cas présent, vous voyez que les deux VFO apparaissent parce que les deux fréquences sont sur 20 mètres. À noter que lorsque vous sélectionnez une largeur de bande, à ce moment-là, ça se reflète sur les deux VFO en même temps. Si on retire les options, ça disparaît. Les réactiver, ils réapparaissent en bas. Ça fait que ça, c'est votre choix. Présentement, je suis sur un écran de 40 pouces. C'est vraiment pas un problème. Vous voyez également les fonctions DSP comme l'auto-notch filter. Vous avez... Regardez, des fois, c'est mieux de juste réduire le fil dépendamment des conditions là, pour faire la filtration. Vous avez d'autres paramètres. Attends, je vais synthétiser. Comme ça avec la souris, c'est assez simple. Ok, si on retire l'auto notch, on élargit un peu la bande passante. Vous voyez tous les modes ici qui sont supportés, vous voyez tous les bandes avec présélection et il vous donne exactement le bon mode selon la sélection. Vous pouvez avoir les mémoires. Pour ajouter une mémoire, c'est assez simple. Pour la rappeler, c'est juste en cliquant sur la mémoire. C'est assez simple également. Voilà, je suis 80 mètres, revenu sur 20 mètres. Si on sélectionne une fréquence, on l'ajuste correctement. Par la suite, on peut, en haut ici dans le menu, vous pouvez barrer le VFO. Vous pouvez sauvegarder votre mémoire, comme vous voyez ici, pour la rappeler, mais vous cliquez dessus. Vous pouvez enlever le l'égalisateur de fréquence en réception. Vous avez le binaural audio. Vous entendez la différence. Moi, je préfère sans ça, mais question de préférence. Je vous laisse écouter un peu. Voilà, je vais le retirer. Encore une fois, vous voyez la différence. Voici la différence avec le réducteur de bruit. Quand même bien. Voilà. Vous avez le Noise Blanker 1, Noise Blanker 2, le réducteur de bruit. Vous avez d'autres fonctions DSP également dans le menu. On va sauvegarder une autre mémoire, on l'enlève. Vous pouvez également entrer manuellement une fréquence ici. Directement. Si vous allez dans le menu, vous allez voir que ça a détecté le colibri nano. Vous pouvez changer la largeur du spectrum scope. Excusez, du spectrum. Jusqu'à 3 MHz. On va le laisser à 384K. Je trouve qu'il est largement suffisant. Si on revient dans les options, vous voyez plusieurs paramètres de configuration que vous pouvez faire. Vous avez, entre autres, la sélection de la carte de son en sortie. Vous avez, pour le 4K, ben, dans mon cas, je peux cocher ici. Ça permet d'avoir des fonts mieux adaptées pour cette résolution. C'est vraiment bien. C'est ce que vous voyez présentement. Vous pouvez ajuster d'autres paramètres également au niveau de l'affichage. Vous pouvez contrôler également votre radio, vous synchroniser avec OmniRig. Ça, c'est important si vous voulez l'utiliser comme un adaptateur de panne ou un panadapteur en anglais là, avec votre radio. Vous avez d'autres fonctions également ici et des raccourcis que vous pouvez configurer. C'est quand même assez complet. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très, très, très bien. Pour les fonctions avancées DSP, vous avez l'ensemble de l'information dans les manuels. Fait que vous pouvez télécharger le manuel du Colibri Nano et vous allez y retrouver la description de ces fonctions en détail. Le manuel est très, très, très bien fait.
Vous faites un contrôle F, puis faites une recherche avec un contrôle F et vous allez trouver rapidement la fonction désirée. Vous avez également beaucoup de captures d'écran qui vous permet d'expliquer à quoi sert quelle fonction. Donc c'est très bien fait, très très bien fait comme manuel. Vous pouvez déjà le télécharger si vous êtes curieux de voir plus de détails techniques. Sur le site web, vous avez également tous les logiciels tels que mentionnés au début. Maintenant, une deuxième façon, il y a trois façons de l'utiliser. Une deuxième façon, c'est en utilisant un serveur. J'ai un serveur comme représenté ici, qui est monté, c'est un Raspberry Pi. Vous voyez un écran sur le Raspberry Pi, ce n'est pas obligatoire, vous avez juste besoin d'un Raspberry Pi 3. Et j'ai monté le serveur, ça fonctionne depuis environ un mois, ça l'a pas planté une fois, c'est vraiment, vraiment très très stable. Je crois que c'est ce qui est le plus impressionnant à propos de cet appareil, c'est vraiment le serveur remote. Pour l'utiliser, vous entrez, c'est en HTML5, vous allez dans n'importe quel navigateur web, vous entrez l'adresse, dans mon cas c'est vpn.labo.ca, qui est un IP statique direct sur Internet. Ça fonctionne tempête. Vous pouvez cliquer sur la fréquence, rentrer une fréquence manuellement. Je viens d'élargir ici là, pour voir plus large. Vous pouvez changer la bande, vous pouvez changer le mode, vous pouvez changer également les filtres. Vous voyez tous les modes, vous voyez tous les filtres. Vous pouvez également le faire manuellement si vous désirez. Vous ajustez que la souris toujours. Ils disent que dans le futur, ils vont développer des fonctions DSP plus avancées, donc le Noise Blanker Uptake 2, le Noise Reduction et tous ces features-là qui se retrouvent dans le logiciel local vont être développés, mais ça fonctionne vraiment très bien, même sur une connexion cellulaire. Ça fonctionne très bien, très fluide. En plus, c'est ce qui rend la chose impressionnante. Vous pouvez modifier la largeur du spectrum et du waterfall jusqu'à 384K. C'est vraiment bien. Et si jamais ça crash, vous avez un problème Internet, mais tout ce que vous avez à faire, c'est reloader la page, recharger la page, et vous allez, le Colibri Nano va redevenir disponible automatiquement, il va se resetter et vous allez reconnecter sur le 40 mètres tel qu'au début. Et c'est ça en chaque connexion. C'est ce qui fait toute la différence là, au niveau de la stabilité. C'est vraiment sa résilience à se remettre, à se reprendre, là, à devenir un pépin même de votre côté, là, surtout. Donc, c'est vraiment bien. Non, je n'ai pas mesuré la capacité Internet que ça prend. Vous voyez ici, j'ai capturé mon cellulaire. Désolé, un petit peu de problème de contraste avec la capture de la vidéo. À filmer le cellulaire, mais voyez que c'est très fluide, ça fonctionne sur un iPhone 7, donc c'est HTML5 sur toutes les plateformes. Ce n'est pas terminé, une autre façon vraiment cool de l'utiliser, c'est un logiciel Expert SDR2 qui fonctionne en mode remote. Ça vous permet d'utiliser le Colibri Nano à distance, ça ressemble drôlement, et vous entrez l'adresse IP du serveur ici, ça ressemble drôlement au logiciel local, en fait c'est sensiblement la même chose. Les fonctions qui ne sont pas disponibles sont ombragées, comme vous allez voir. Et vous avez essentiellement les mêmes fonctions que sur l'interface web. Et ça vous permet d'explorer un peu plus le logiciel. Vous pouvez faire des choses aussi intéressantes, les synchroniser avec votre appareil, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est très prometteur pour l'avenir. Vous n'avez pas le deuxième VFO, donc c'est pas possible de l'activer. Mais ça fonctionne tempête, comme vous pouvez voir. Et dans les options, vous avez essentiellement les options similaires au logiciel local. Vous devez, ces deux logiciels, hein, vous devez avoir les deux. Et ça, on n'a pas l'ajustement pour le 4K encore, donc il a fallu que je grossisse les fonts manuellement. Mais vous voyez, il y a également la même chose pour le 4 Control. C'est quand même assez complet quand même. Vraiment impressionnant. Et ce n'est pas terminé, car vous allez pouvoir l'essayer. Je vais vous donner les coordonnées du serveur à la fin de cette vidéo. Vous avez également les mémoires dans ce mode. Donc, un autre fait très intéressant. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, je vous ai fait une promesse au début de la vidéo.
Vous pouvez maintenant vous connecter sur le Colibri Nano à distance sur mon serveur sur le Raspberry Pi, vous permettant d'écouter et de l'essayer. Mais il y a encore plus, si vous téléchargez sur le site du manufacturier le logiciel Remote, vous êtes en mesure d'entrer l'adresse IP directement du serveur 69.70.160.68. Il s'agit en fait de l'adresse IP de vpn.labo-en-ligne.ca. Donc, si vous entrez vpn.labo-en-ligne.ca dans n'importe quel navigateur web, vous allez accéder à l'unité, vous sélectionnez le Colibri Nano et vous êtes à partir de là en mesure d'écouter et de vous promener sur les bandes HF. Si vous voulez utiliser le logiciel Remote d'Expert SDR, en fait, ça vous donne plus d'options, ça vous donne plus une impression d'avoir un SDR local. À ce moment-là, vous utilisez l'adresse IP que je viens de mentionner, 69.70.160.68. Ça va vous permettre de configurer le logiciel et de l'essayer à distance. Gardez en tête que c'est un usager à la fois. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez l'utiliser quelques minutes et laisser d'autres, surtout au début du vidéo. Gardez également en tête que ça se peut que j'utilise les antennes si je suis actif, donc qu'il n'y ait aucune réception. Ça peut être normal de réessayer plus tard, mais normalement, c'est disponible, surtout durant le jour, durant la semaine. Donc, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour l'instant, je vous dis 73 et à bientôt.